Gabriel Lippmann est un physicien et il a inventé la théorie ondulatoire de la lumière. Et pour prouver cette théorie, il a créé un procédé photographique couleur qui s'appelle le procédé interférentiel Lippmann. La particularité de ce procédé photographique, c'est qu'il capte l'ensemble du spectre lumineux au lieu de reproduire des couleurs à partir de pigments. Donc c'est véritablement la lumière pure qui est capturée dans ce prisme photographique. Et il faut un certain angle très particulier pour pouvoir arriver à lire l'image. Donc il y a quelque chose de magique dans cet objet, puisque quand on arrive, on doit prendre possession de l'œuvre, la manipuler, et ensuite se révèle à nous cette image. Et le musée de l'Élysée possède la collection la plus importante au monde de prismes Lippmann, 133 œuvres parmi à peu près 250 qui existent dans le monde entier. Et ces photographies sont un des véritables joyaux de nos collections.